Le monde du transport évolue. Les énergies alternatives se développent avec notamment l'essor du véhicule électrique. Commençons par comprendre ce qu'est un véhicule électrique. Il s'agit d'un véhicule propulsé par un moteur électrique alimenté par une batterie servant de réservoir d'énergie. Véhicules utilitaires, bus, scooters et même vélo, à chaque véhicule, sa version électrique. Et c'est un marché en pleine croissance. En Europe, par exemple, on estime que d'ici 2025, un véhicule en circulation sur 20 sera électrique, contre un véhicule sur 200 aujourd'hui. Les avantages ? Aucune émission de gaz à effet de serre ou de polluants. Un véhicule plus silencieux et moins coûteux en recharge d'énergie. L'autonomie réelle de ces véhicules se situe entre 150 et 400 km. Ils sont adaptés aux courtes et moyennes distances, en ville ou à la campagne. Et où recharger son véhicule ? Principalement au domicile ou sur le lieu de travail en temps masqué. Mais aussi dans les lieux publics, en ville ou en station-service lors de trajets plus longs pour lesquels l'autonomie du véhicule électrique est insuffisante.